internautes de bienvenue sur Channel Alex Actualité TV. C'est vraiment toujours un plaisir pour nous-mêmes pour nous partager vraiment une information avec vous. Bon, vidéo pour regarder là, c'est vraiment pile monde qui prend la rue devant l'ambassade dominicaine. Ils sont capables de manifester mécontentement pour façon dominicain, l'État dominicain, le gouvernement dominicain a maltraité haïtien dans ce moment-là. Mes amis, ils ont vraiment exprimé pour dire non, non, ils ne sont pas d'accord, les gens dominicains a maltraité haïtien dans ce moment-là. Et la police même qui vraiment empêché pour pas vraiment arriver devant l'ambassade là. Mes amis, nous allons faire un pile parler, nous allons faire un pile étalage de sans perdre de temps en entrant dans la vidéo. Et présence nous, journée aujourd'hui, c'est pour nous venir dénoncer comportement raciste et gouvernement néo-fasciste et République dominicaine qui gagne en tête Luis Abinader. Côté que le bon décret 668-22 qui est sorti qui renforçait déportation massive là. Nous ne disons pas gérer la question de migration là, mais c'est façon de faire là. Il faut traiter les gens dans dignité, dans respect. Là, nous connaissons un accord en 1999. Que l'État haïtien te signé avec, yo pas même respecté ça. Et en plus, yo pas respecté et la vie moun yo. Yo traité moun yo tant que bête, plus mal que bête. C'est ça fait nous prendre béton. Hein. Et en plus tout, nous venons dénoncer et irresponsabilité l'État côté pas gagne l'État dans pays a. Côté gouvernement Ariel Henry a doit quitter pouvoir pour nous capable gagner un l'État grand monde, yon l'État gênanger, un l'État serviteur, yon l'État qui capable répondre à des idées à ta population. Hein. Côté condition la vie population capable de changer. Ça fait nous prendre béton hein, pour nous dire et vive solidarité dans le temps peuple haïtien, à peuple dominicain, à bas raciste, à bas xénophobie. Le 29 novembre 2022, nous rassemblés devant l'école Argentine-Belgrade pour nous capables de saluer tout le monde qui dans le pays a mouru parce que nous avons bataillé pour la démocratie, parce que nous avons bataillé contre l'État autoritaire, parce que nous avons bataillé contre l'État sanguinaire. 29 novembre 1987, le peuple haïtien a choisi de construire une démocratie pâle et force réactionnaire. Force impérialiste, l'armée d'Haïti, baigne l'espoir ça dans sang. N'a salué tout le monde qui est tombé 29 novembre 1987 et n'a rappelé que parmi les gens qui est tombé, c'est un journaliste dominicain, Carlos Grouillon. Jodian, nous avons même force rétrograde, même force impérialiste, nous paré pour être capable de bloquer le rêve de la démocratie, peuple haïtien. Yo paré pour yo capable bloquer tout progrès dans le pays. Et je dis, nous dans une situation extrêmement grave. Non seulement ces forces réactionnaires qui continuent de gouverner le pays, les forces réactionnaires ça yo fait alliance à la classe dominante dominicaine pour être capable de peser coup travailleurs et travailleuses haïtiens.
ça qui a passé jodi an l'autre bord frontière pas gain non c'est chaque jour il y a maspiné frère Axel yo c'est chaque jour il y a battu yo c'est chaque jour il y a persécuté yo il y a vivre avec la peur dans vat yo et quel que soit yo ancêtre quel que soit ces petit moun quel que soit ces vieillards yo tout en bas bâton Saint-Domingue ambiance qui gain là jodi an c'est même ambiance qui était préparé massacre 1937 là. Côté que nous avons un gouvernement la haute, gouvernement Vincent, qui non seulement pas de protester face à massacre là, mais qui était accepté aux $750,000 soi-disant pour dédommager pour massacre là, ça qui était représenté $4 par tête haïtien touillé. Jodian, nous voyons que le régime PHTK dans même continuité, l'État reste avec l'État choule. L'État qui a craché sous dignité peuple haïtien, l'État qui pas défendre peuple haïtien, mais qui a lié avec l'ennemi peuple haïtien. Donc nous rassemblons aujourd'hui dans la marche patriotique ça, pour nous capables de dénoncer l'exaction qui a fait en République dominicaine contre frère avec ce nouveau, pour nous dénoncer violation de droits humains, pour nous dénoncer crime contre l'humanité qui a fait chaque jour en République dominicaine, et pour nous dénoncer toute complicité du gouvernement haïtien, complicité de l'État haïtien. Qui non seulement pas ramasser indignation qui traverse le pays, mais qui campait face à peuple haïtien pour être capable de débloquer frontières en faveur commerçants dominicains, en faveur investisseurs dominicains. Ça qui a passé aujourd'hui soulevé indignation. Et nous-mêmes nous disons, peuple haïtien, frère, action New York et République dominicaine, nous pas pitié, sans garde. Nous avons un peuple qui campait, un peuple qui campait. Avec force, avec valeur dessaline. Il y a un peuple qui campait avec force, valeur, tout esclave qui était bataille pour racheter l'indépendance. Et je dis, c'est même bataille-là nous besoin de faire pour nous capables de sortir du pays dans la route, pour nous sortir du pays dans l'humiliation, pour nous sortir du pays dans cette salle-là. Je dis, nous devons ramasser le caractère nous pour nous dire non à la route, non à l'humiliation, non à craser les autres contre le travail haïtien. Vive indépendance, vive souveraineté, vive fraternité en tout peuple caraïbio qui décide de vivre dans le cours des peuples grand monde et qui décide de sortir en bas de votre pays impérialiste. Vive unité tout peuple qui a bataille. Abat raciste, abat raciste, abat xénophobie, abat raciste, abat xénophobie, abat Abinader. Alors je dis à nous là dans Macha pour nous porter solidarité. Que compatriotes nous qui a subi des actes de maltraitance, des actes de violence, humiliation en République dominicaine avec un gouvernement Abinadela qui montrait un comportement et capable dire un comportement discriminatoire et un comportement raciste par rapport avec migrants haïtiens côté il a déporté yo dans des conditions très 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 graves. Côté yo violé droit yo ak dignité yo et côté yo pas respecté convention qui gen rapport à droit sous migration et yo pas respecté tout protocole qui était signé entre l'état haïtien et l'état dominicain en ce qui concerne rapatriement donc c'est vraiment avec un sentiment m'ta capable dire indignation que nous là et matin pour dénoncer agissement l'état dominicain vis-à-vis des compatriotes nous mais en même temps pour nous condamner et comportement irresponsable gouvernement de facto qui continue à afficher une attitude de silence par rapport avec sa réaction nous vivre nous croyons c'est vraiment un comportement la honte par rapport avec humiliation et souffrance et migrants haïtiens yo a subi en République dominicaine alors que autorité qui l'a yo qui t'a dû prendre des mesures pour exprimer réprobation par rapport avec l'agissement de l'État dominicain, eh bien, nous, c'est eux-mêmes qui potent coller pour défendre l'intérêt des commerçants dominicains et commerçants haïtiens, côté ils ont décidé de marcher, cracher son initiative population civile dans Wana Metatepran. Ça n'a pas cherché, discuter, négocier, prendre des mesures qui sont capables de protéger les droits et dignité des compatriotes. Qui a subi toute qualité de violence en République dominicaine. Donc, dans ce sens-là, on a profité de lancer un appel en solidarité régionale et internationale par rapport à la question ça,
pour que nous capables de forcer l'État dominicain à capable de respecter la convention qui a à la question de droit à la migration, respecter le protocole sur la question de rapatriement, respecter le droit à la dignité des migrants. Parce que celles qui sont à reprocher les compatriotes, c'est qu'ils sont dans des conditions irrégulières. Mais le fait qu'ils sont dans des conditions irrégulières, ça n'a pas retiré pour autant le droit à gagner pour protéger eux. Pour ne pas subir des actes de violence, pour ne pas subir des actes de discrimination, pour ne pas subir des actes de maltraitance. Donc, l'attitude que le gouvernement dominicain a affichée là, il pousse nous à quand même lancer un appel, parce que nous connaissons la République dominicaine, qui a une candidature pour le Conseil des droits de l'homme 2024-2026, et dans ce sens-là, nous avons lancé un appel pour qu'au niveau de l'ONU, on remise en question qui fait des candidatures, parce que l'attitude ça, l'État dominicain n'a pas affiché là, le contraire à toute convention qui a rapport à la question de monde et qui est le sien. L'exigence pour le peuple haïtien qui n'a pas nommé la civilisation raciste, gouvernement Abinadel, l'exigence pour tout haïtien, pression nous, qui se nomme, qui a maltraité, qui a massacré, qui a marré, qui a battu mon chef. Donc, si je pour nous, on nous marche, on nous dit non, avant, tout fort, de maltraitance, prie nous, sur nous, haïtiens, a subi. Aujourd'hui, en signe de solidarité avec Frère Axel Nouyo, que le gouvernement raciste, fasciste dominicain a maltraité notre voisin. Nous faisons marcher dans la rue aujourd'hui à tout pour que nous dénoncions le comportement pouvoir irresponsable PHTK 3e version qui là, malgré tout, il fait complot de préférence avec le pouvoir dominicain contre le peuple haïtien. Et ça que nous disons dans la rue pour nous dire non avec le comportement raciste dominicain, non avec le comportement l'État irresponsable qui est le peuple haïtien. C'est ça que nous disons aujourd'hui dans la rue. Non seulement pour nous dénoncer les actes criminels que le gouvernement raciste dominicain, mais tout pour nous exiger l'État et son État capable de prendre responsabilité envers le peuple haïtien. Parce que ça nous est là, c'est ça que l'international arrive à imposer nous et qui n'a pas rien pour nous avec la réalité du peuple haïtien. Mais aujourd'hui nous disons, nous rappelons 29. Novembre 1987, façon et tout comme a été massacré plusieurs dizaines à Frère Axel Nouyo dans Riel Vaillant. Et aujourd'hui encore, nous l'arrière en signe de solidarité avec tout le monde qui a été maltraité. Bon, aujourd'hui, nous, c'est gars avec un paquet d'autres organisations de l'Amoun qui levé campé pour nous dire non à Zak Maspinaï, haïtien nous, frère nous, c'est nous, a subi en République Dominicaine. Parce que haïtien qui trouvé en République Dominicaine, c'est pas de terroristes que yoyé, c'est pas de criminels que yoyé, yo pas mérité traitement que y a baillé dans ce domaine. Donc c'est des monde qui traversent l'autre bord pour aller chercher la vie meilleure. C'est des monde qui traversent l'autre bord pour aller bailler sans yo, pour grande entreprise dans ce domaine yo, capable grandir, capable fleurir. Donc je ne dis pas, nous pas tolérer pour y a traiter comme ça. C'est chaque jour femme enceinte a vinn jwenn nou sou frontière côté que en pile là-dedans yo c'est sous frontière yo pousser petit yo c'est chaque jour que famille cap crasé petit cap perdi parents yo parents cap perdi petit yo parce que les déportés yo yo crasé famille yo nous pas ka tolérer et jodi a nous camper pour nous dire non n'a pas adressé nous à l'état pays nous qui inexistant jusqu'à présent qui pas paraître tête li qui pas jamais dit un mot qui font silence yo silence qui complice et s'il pas complice il supposé lever le petit doigt pour lui prononcer sous situation, pour prendre des sanctions sévères contre la République dominicaine. Et nous saluons la population de Wanamène qui a levé campé, qui a dit non, qui a bloqué les frontières et fait tout ça qu'on est capable de faire pour capable nettoyer et faire belleté sous frontière. Et malheureusement, nous avons l'État complice nous, l'État qui a fait silence complice dans l'été, obligé de sortir dans le silence pour prendre des décisions pour l'ouvrir les frontières. Mais malheureusement, nous avons l'État qui n'est pas conscient. Nous avons l'État qui n'a pas pris en charge de responsabilité. Malheureusement, nous avons adressé nous à la communauté internationale là, pour être capable de sanctionner la République dominicaine. Nous avons demandé pour l'ONU capable de rejeter la candidature de la République dominicaine
qui voulait intégrer le Conseil de l'ONU pour 2024-2026. Bois calé, vive la nation libre,
Vive la nation autonome. Merci. La première, nous allons délivrer le salut. Pétionville, haïtiens frères nous en danger dans le pays, c'est nous-mêmes. Nous pouvons aller devant l'ambassade. Nous parlons la guerre.
nous pas venir avec ZEM, nous venir avec micro pour nous faire passer message pour faire nous, sur nous, haïtiens qui dans ces domaines et que le gouvernement Abinader a maltraité les migrants qui dans ces domaines. Nous venons dénoncer xénophobie. Gouvernement dominicain. Abinader, c'est un xénophobe. Nous venons dénoncer. Abinader a dit que Dominique
et puis l'argent, c'est nous qui avons aidé pour tout le monde. Et ici, tourner dans le pays, venir vivre. Que l'on veut juste aller à la caille, vivre la caille nous. Les haïtiens ont maltraité aussi, donc ça fait nous mal. Nous, nous devons aller sur une vivre la caille. Dominique, elle doit maltraiter les haïtiens. Mis sous Chanel Alex Actualité TVA, ça parle de point à qui l'est nous tomber sous vidéo ça. Et comme nous capables de constater, nous venons fin vidéo, hein, nous espérons que nous avons vraiment apprécié vidéo ça. Mais avant d'aller, nous profitons de ce support. Même si vous pouvez abonner à la chaîne là, profitez, abonner à la chaîne là, pisez cette cloche de notification pour capable toujours bénéficier d'une vidéo que nous publions. Nous pouvons bientôt nous apprêter très prochainement dans une autre vidéo. Ciao.